sommes lundi 30 janvier, il est 8h22 du matin. Et une fois de plus, je ne vais pas travailler parce qu'Alexis est malade encore. Donc vendredi, donc, je ne suis pas allée. Donc il a eu la gastro. Et puis donc, ça a été mieux à partir de dimanche matin. Enfin, samedi soir, dimanche matin. Et du coup, bah, on a annulé notre soirée avec les amis, donc c'est reporté. Bon, c'est pas très grave, mais bon. Et parce qu'il devait aller chez mes parents, mais du coup, bon, bref, ça, tout a été chamboulé, donc bref. Et là, dimanche, il nous a fait une petite pointe de fièvre à 40,5. Donc je pense qu'en plus de la gastro, il a autre chose. Enfin, il a la gastro finie, hein, mais comme ils tous, il a cumulé deux trucs. Oh, j'ai une saleté ce matin. Donc voilà, donc je vais l'emmener chez le médecin cet après-midi. Et je vais peut-être un peu vlogger la journée, je vais voir. Voilà, je pense que si demain il va pas à l'école, j'emmènerai chez mes parents et j'irai travailler parce que je peux pas non plus prendre des jours comme ça à tire-larigot. Donc voilà, donc de bon matin, je me suis installée devant YouTube. Et Alexis regarde ses vidéos, il est allongé. Ah, voilà. Avec son oreiller. Donc voilà. Donc la matinée va être calme, je pense. On va aller chez le médecin cet après-midi. Donc je vais bientôt aller me laver. Ça va me faire du bien. Et Ah mon loup. Et voilà, donc je reprends plus tard. Ciao. Voilà. On se sent mieux quand même après une petite touche. Je me suis lavé les cheveux. Je suis habillée de pire cap. Et donc voilà, Alexis va prendre sa douche. Et puis après, je vais voir ce que je vais vlogger, ce que je vais faire. J'espère que je ne vais pas tomber malade. Je me sens bizarre. Voilà, donc juste pour dire que ça fait trop du bien. Ah oui, si, je voulais dire, je pense que samedi, je vais aller chez le coiffeur. J'ai envie d'y aller. Parce que je ne supporte plus mes cheveux. Donc je vais essayer d'y aller samedi ou la semaine prochaine. Enfin, la semaine d'après, je veux dire, pendant qu'Alexis sera pas là, il sera en vacances avec mes parents. Voilà, je vais couper, je vais faire un dégradé, enfin, j'essaie de faire un truc sympa. Parce que là, c'est pénible, quoi. J'en peux plus, c'est trop long, c'est trop fouillis, ça ressemble à rien. Donc voilà, donc j'ai hâte de faire ça et de vous montrer. J'espère que ça sera réussi. De toute façon, ça peut pas être pire que là. Ça, ils sont tout mouillés, ils se ressemblent à rien. Bon, c'est pas grave. Bref, à plus tard. Alors vous savez que je suis allée chez Action et que j'ai acheté tout ça, les sticks à lèvres, et en fait j'ai testé celui-là ce matin, le coconut oil, et je sais pas si vous voyez l'endroit à l'envers, bref comme ça, j'en sais rien, bref. Et il est super hydratant, il est super bien, par contre il a aucune odeur, je pensais qu'il aurait goût de, enfin goût, qu'il sentirait l'eau de coco à fond, donc je pense qu'ils sont tous pareils. En fait, c'est tous les mêmes, c'est juste du design, en fait. Donc, bon, pour le prix où je l'ai payé, c'est pas très grave, hein, mais voilà, je suis un peu déçue. Ça, je pensais avoir la sensation, le goût de la noix de coco. Et non, rien. Bon, enfin, comme ça, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sticks à lèvres, plus tous ceux que j'ai. Donc, je suis pareil pour 3 ou 4 hivers, je pense. Ciao. Comme il est probable qu'Alexis aille chez mes parents ce soir, j'ai préparé son sac. En fait, comme on va aller chez le médecin vers 14h30, je pense qu'après, s'il doit aller chez mes parents, on ira directement. Voilà. Je me suis recommandé un petit trépied sur Wish, là, qui est un peu plus mieux que celui-là. Parce que celui-là, il est vraiment pourri, il ne tient pas. Dès que ça bouge, il tombe. Donc, voilà. Donc ça, c'est pas sa trousse de toilette. C'est sa trousse de... Des voitures qui l'emmènent toujours. Voilà. Donc Alexis il a 2 milliards de voitures. Il joue pratiquement pas souvent. Il y a encore un stick à lèvres. Je le jetais tout à l'heure. Voilà. Les slips. Les chaussettes. Voilà. C'est un petit sac. Au niveau des affaires de toilette, il y a tout chez mes parents. Il n'a pas besoin que j'en remette. Et après, quand je récupérais sur mon mardi soir,
Et comme il repart en vacances avec mes parents samedi matin, il faut que je refasse un sac pour les vacances. Donc je m'organise dans les lessives et tout. C'est toujours chiant parce que j'ai. Enfin, je. Parfois, j'ai pas assez de t-shirts, trucs comme ça. Donc bon, faut que je m'organise bien. Qu'est-ce que je voulais dire? Et ensuite, donc, il part une semaine avec mes parents en Normandie. Ils ont loué un truc. Et après, il part chez son père pour une semaine. Donc pendant 15 jours, j'aurai pas mon fils. Donc voilà. Donc au début. Les 2-3 premiers jours, ça me fait souffler un peu, pour être honnête. Puis après, il commence à me manquer, quoi. Donc voilà, je vous montre le temps qu'il fait. Voilà, il fait gris. Il fait beaucoup moins froid, en revanche. Ça, je vous montre, tiens, mon jardin, vu d'en haut. Hop, le filet à linge, qui sert pas beaucoup en ce moment. Surtout que j'ai un sèche-linge. Voilà, la table. Voilà, donc c'est petit, mais j'adore. Je suis trop bien. Voilà, hop, tac, hop, petit tableau Avenger, je crois que je vous ai déjà montré tout ça, et oui, l'étagère elle est bien fournie, je sais plus si je voulais remontrer du coup depuis, voilà, tac, il a mis tous ses trucs, voilà. Ça fait sympa, je trouve, j'aime bien, donc voilà, à plus tard. Il est 10h20, ah. Je peux te filmer ou pas? Non. Non? Hop. Alors, c'est l'heure de prendre un petit café. Voilà, c'est même marqué. Il se moque de moi. C'est même marqué sur la tasse café. Comme ça, je me trompe pas. Voilà. Allez, j'appuie, je coupe parce que ça va faire un boucan d'enfer et ça va être super désagréable. Ou alors, je vous laisse un peu pour voir ce que. Et je crois que vous l'avez déjà entendu. Allez. C'est parti, mon kiki. Hop. Hop. À la vôtre. Ah, c'est bon le café. Café chaud. J'aime pas quand il est trop trop chaud. Là, je mets bouillante en fait. Je fais semblant de rien, mais je mets bouillante. J'attends un peu. Faut pas qu'il soit froid non plus. Allez, je vous laisse. Je retourne avec mon café devant mon Mac, devant mes vidéos. Et je vais commencer un peu le montage de tout ce bazar. Bisous, bisous, bisous. Trop bon. Voilà, c'est l'heure de manger. Donc je vous montre. Vous allez voir, c'est de la haute voltige. Donc pour Alexis, il va manger ce midi des petits pilons là. Avec des pâtes. Et moi, je mangeais un reste de poulet avec des pâtes. Je me suis fait une grosse assiette. Je mange que ça et un dessert. Pas que ça. Voilà. Et en dessert, donc je prendrai mon petit soja sun au chocolat noir intense, au chocolat intense. Et Alexis, ça sera un yop, comme ça. J'ai eu en promo d'ailleurs, j'en avais 6 pour le prix de 4. Donc voilà. Bon appétit. Donc là, il est 13h40, on va se préparer à partir chez le médecin pendant encore un petit peu de temps, parce que c'est qu'à 14h30, mais le temps d'y aller. Et qu'Alexis s'habille, mette ses chaussures, son manteau. Là, qu'il aille faire pipi. Dans sa chambre. Donc voilà. Et moi, que je m'enlève mon truc en pilou de maison. Voilà, on va y aller. J'espère que. Qu'il va pas me dire encore. Alors, je sais qu'il a une gastro, mais qu'il va pas me dire encore qu'il a une angine. Il me dit toujours ça. Et au bout d'un moment, ça commence à me stresser. Je me dis que, enfin, souvent, quand les gamins ont souvent des angines à répétition, comme ça, on finit par faire une opération des amygdales et ça m'effraie un peu. Enfin bon, je suis pas médecin, donc on va voir ce qu'il va me dire. À plus tard. Voilà, on part chez le médecin. Hop. Je ferme. Ah, il y a le voisin, je vais couper, il me prend le point de toile. Voilà, il fait 8 degrés, donc c'est pas si mal. Bon, évidemment, du coup, avec 8 degrés, il fait gris quoi, il fait pas beau, mais bon. Je crois que je gêne le voisin là, je vais le laisser sortir. Et ben, je vais zoomer à fond.
Allez, c'est parti chez le médecin, je vous tiens au courant de ce qu'il a dit, et puis voilà. A plus tard, les amis. Voilà, on est arrivé, on est un peu en avance. Donc, comme il y a une boulangerie pas loin et que j'ai besoin de pain pour ce soir, je vais aller chercher deux baguettes. Alexis est derrière moi, il se cache. Est-ce qu'il ne veut pas être filmé? Ah, mais c'est... Et voilà, donc on va, je vais chercher le pain et puis après on va aller attendre, c'est la consultation. J'espère qu'il n'y aura pas trop de monde. Et voilà, à tout à l'heure. Marché, on vous remercie. Alors, je suis en train de prendre de l'essence. Donc déjà, j'en ai eu pour... J'ai mis 38 litres, j'en ai pour 53 euros. Il y a 1,39€, c'est un truc de ouf. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est ça. Il y a un nid avec un pigeon. C'est mignon, hein. Bon, on rentre, puis je vous dis pour Alexis. A plus tard, trop beau. Voilà, c'est reparti. J'ai mis de l'essence. Je sais pas si vous voyez bien. Je crois qu'il y a ce que c'est, puis j'en ai montré les photos. Voilà, je suis ruinée. C'est cher l'essence. Hop. Il a tombé dans le travail là-bas. J'espère qu'il va pas tomber. Hop. On va aller goûter, Alexis. 15h44. Hein? Tu parles pas? Est-ce que ça filme? Je peux m'arrêter, je peux l'éteindre. Allez, je reprends après. Hop. Voilà, nous sommes rentrés. Donc Alexis a une angine. Donc il a eu une gastro, puis il a eu une angine. Donc il a des antibiotiques. Et puis un traitement, quoi. Donc voilà, donc on a pris du pain. J'ai médicaments. On s'est pris un pain au chocolat pour nous deux. Et j'ai pris du Finlay Morito et du Coca Zéro. Petite bouteille. Donc voilà. Hop. Donc on va se prendre le petit goûter. Après on va regarder enfin les devoirs là. Parce que du coup avec tout ça on n'a rien fait. On n'a rien fait du tout depuis jeudi soir. Si jeudi soir on les avait fait pour vendredi. Et du coup, vendredi, lundi, rien. Donc on a pas mal de trucs à faire, il y a de l'anglais, je sais plus trop quoi. Donc on prend notre petit goûter, tranquillo, tranquillou, tranquillou. Et après je vais monter le vlog et puis je vais le mettre en ligne. Et puis voilà, après je vais vaquer à mes occupations. Voilà, bisous à tous, ciao, à bientôt.